Voici le genre de message que cette fille dit à ses copines, à toutes ses copines, après avoir eu un rapport avec toi, oui, hein? Qu'est-ce que cette fille dit à ses copines? Est-ce que c'est quelque chose de bien? Est-ce que c'est quelque chose qui te valorise? Oui, je suis Laetitia, coach en relation amoureuse. Regarde la vidéo jusqu'à la fin. Surtout, il faut la partager autour de toi. Ici, on partage. On n'est pas égoïste. Quelle est l'habitude qu'elle a de faire? Quelles sont les choses qu'elle a l'habitude de dire à ses copines? Oui, le numéro 1. Ah, ces mecs-là. Ah, son kiki, il est vraiment petit. Je ne sais pas, je ne sais même pas c'est quel genre de mec. Hein? Son kiki n'arrive nulle part. Je ne sais pas, il me saoule, il m'énerve, moi. Ah, laisse tomber, laisse tomber. Heureusement que j'avais regardé, mais il est nul, il est nul. À numéro 2, il va dire quoi? Donc, son kiki n'est pas assez dur. Son kiki, lorsque son kiki est. Son outil est debout, ça ne dure même pas longtemps. Donc, il n'est pas même trop, trop dur. Ah, ce genre de kiki. En tout cas, n'allez pas essayer, n'allez pas essayer. Elle va dire tout ça à ses copines, oui. Après, à numéro 3, qu'est-ce qu'elle va dire? Elle va dire que non, ces petits, ah, ces garçons-là. Ah là là là, son jus vient rapidement. Ça vient rapidement. Je ne sais pas comment il est. Ça vient rapidement, son jus. Franchement, je n'ai pas aimé. Je n'ai pas du tout aimé. Mais comme il a l'argent, comme il me donne l'argent, bon, j'irai seulement le faire. Même, bon, je prendrai seulement son argent. Parce que oui, il a l'habitude de me donner l'argent. Je prendrai seulement son argent, même, bon. Mais sinon, là, ce côté-là, il est nul. Il est nul. Il est nul. Hein? À numéro 4, tu sais, à numéro 4, c'est que cette fille-là a l'habitude de dire à ses copines. Des fois, elle dit à ses copines quoi? Que non, ce genre de mec, je ne peux pas l'épouser. Oui, parce que même la façon de toucher, il ne sait pas toucher, il ne sait pas, il ne fait même pas arriver au septième ciel. Moi, je vais rester avec lui. L'argent qu'il me donne, je donne ça peut-être à mon petit ami, le petit ami que j'aurai qui m'épousera. Oui, c'est ça qu'elle a l'habitude de dire. Et toi, quand tu la vois, elle est avec toi, tu te dis, hey, tu es fort, non, mais non, 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 tu es dénigré partout. Hein? C'est pour ça qu'aujourd'hui, je te conseille quoi, jeune garçon? Je te conseille de rester chaste, oui. Et si tu n'es pas chaste, peut-être que tu as fait des erreurs. Il faut arrêter d'aller avoir les histoires avec les filles, d'aller faire les rapports avec les filles. Il faut les faire une fois que tu seras marié avec ta femme. Oui, ta femme, elle ne peut pas te dénigrer. Vous, toi et ta femme, vous pouvez aller chez un sexologue, chez quelqu'un qui va vous conseiller comment vous satisfaire mutuellement. Il faut que tu sois chaste, que tu sois pur et tu verras, c'est très génial. Qu'est-ce que vous en pensez en commentaire? Abonnez-vous, je vous fais des gros bisous.